Yeah, I confess, Father, I confess. 'Cause I've been living wrong. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment virtualiser Debian Pixel dans Windows avec VMware Workstation. Alors, en premier on va télécharger sur le site de Raspberry le ISO de Debian Pixel. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, je le télécharge. Ensuite, on télécharge VMware Workstation Player, le dernier. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Voilà, une fois que VMware Workstation est téléchargé, vous l'installez. Donc, il n'y a rien à changer, vous faites suivant, suivant, terminé. Alors on démarre VMware Workstation Player, on choisit créer une nouvelle machine virtuelle. Alors on choisit un Linux, un Debian le dernier mais pas 64 bits, un 32 bits, c'est-à-dire un 8X. Alors vous nommez la machine virtuelle comme vous le voulez. Moi je l'appelle Debian Pixel OS. Voilà, je lui mets 20 Go de disque dur et terminé. Je mets en marche la machine virtuelle. On voit que Debian Pixel est en train de démarrer. Ça veut dire que tout a bien fonctionné. J'ai bien choisi le bon ISO au démarrage. Alors on l'a pas vu dans la vidéo, mais VMware Workstation m'a demandé de choisir le fichier ISO. J'ai mis le ISO que j'ai téléchargé avant sur le site de Raspberry. Voilà, alors le système d'exploitation a démarré. Il est virtualisé dans Windows. Alors j'ai testé, tout fonctionne, même Internet fonctionne. L'avantage de ça, c'est que maintenant vous avez Windows et le système d'exploitation de Raspberry dans votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de redémarrer et vous avez les deux en même temps et tout fonctionne en parallèle. Voilà, donc j'ai vraiment ma barre de Windows, ma barre de lancement, mon menu démarrer et j'ai le système d'exploitation de Debian Pixel qui est virtualisé. Cette vidéo est maintenant terminée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et regardez mes autres vidéos. Au revoir.